GEA, ça signifie gestion des entreprises et des administrations. Donc c'est une formation pluridisciplinaire dans laquelle on va trouver tous les métiers qui nous aident au bon fonctionnement d'une entreprise. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc du coup, je réfléchissais sur plusieurs métiers qui pourraient m'intéresser. Et dans ces métiers-là, j'ai trouvé justement la comptabilité. On m'a parlé de GEA, on m'a dit que c'était une formation pluridisciplinaire. Je pouvais découvrir la comptabilité et tous ses aspects, mais sans directement me spécialiser. Et qu'à côté, je pouvais aussi voir tout ce qui est management, marketing, ressources humaines, aussi les langues, pour savoir justement, au cas où la comptabilité ne me plaît pas, je peux toujours aller dans d'autres droits grâce à GEA. Il y a la salle de pause, on va trouver un distributeur, on va trouver des sièges, puis il y a des chaises aussi pour travailler. Et puis en plus, quand il fait beau, on a juste à deux pas pour pouvoir sortir et s'amuser. Je dirais enrichissant, parce que quand je suis arrivé en GEA, au début, on nous avait parlé qu'il y allait avoir une réforme, mais on n'avait pas beaucoup plus d'informations. Donc j'avais prévu de rester que les deux premières années, parce que de base, avant la réforme, c'était que sur 2 ans, tu sortais avec un DUT et après tu voyais à peu près où tu voulais aller. Et donc en nous présentant la troisième année, j'ai choisi d'aller en alternance. Je me suis dit prendre un an pour justement aller en entreprise ou en cabinet, tester ses connaissances, voir si c'est du solide et aussi voir si ça nous plaît, si ça nous convient. Pour moi, c'était quelque chose d'important. C'est pour ça que j'ai choisi de venir en troisième année en alternance en GEA plutôt que partir au bout de la deuxième année et tenter des grandes écoles ou des IAE. Je suis en alternance en cabinet comptable et donc du coup j'ai réalisé que le cabinet comptable c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, donc que j'aimais beaucoup et que je voulais poursuivre mes études pour m'orienter plus vers de l'expertise comptable. J'espère aller justement en DSCG l'année prochaine pour justement viser le DEC et devenir expert comptable.